Un chasseur tire par erreur sur une maison habitée en Gironde. Un drame a été évité de justesse en Gironde lorsqu'un chasseur a tiré par erreur sur une maison dans laquelle un père de famille jouait avec ses enfants. L'un des chasseurs qui participait à une battue au sanglier à Sestas, en Gironde, a ouvert le feu sur une maison, informe la dépêche. Cet incident s'est produit mercredi midi lorsqu'un père de famille était chez lui avec ses enfants. J'étais dans mon salon, je jouais avec mes enfants sur la table du salon, on entend une très grosse déflagration et des bouts de verre un peu partout, raconte-t-il. Selon lui, la balle aurait pu l'atteindre mortellement. À deux minutes près, cette balle ne m'a pas atteint, n'a pas fait le drame qu'elle aurait pu faire. Ça aurait pu être moi, un de mes enfants dans la pièce ou ma mère qui se baladait dans les couloirs, ajoute Alain. Le tireur a été identifié et son arme saisie. Il ne s'agit pas du premier accident lors de la période de chasse de cet automne en France. Mi-octobre, un cycliste de 22 ans avait été tué par un chasseur à la lisière d'un bois en Haute-Savoie.